Maar wat het belangrijkste is, wij hebben laten zien wat Ajax is en wat Amsterdam is voor stad. Wij hebben laten zien waar wij voor staan. En dat is aanvallend voetbal. Wij hebben laten zien waar die grote boven ons, wat hij wou. En wat hij van ons verwachtte. En wij hebben het met z'n allen gedaan. Ervaren spelers, jeugdspelers, allemaal. En de supporters. We willen jullie ongelooflijk erg bedanken voor dit geweldige seizoen. En we zien jullie weer verder. Salut la famille, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de De Ligt, ce jeune défenseur, jeune mais déjà très avancé sur son âge, défenseur de l'Ajax Amsterdam. Après une saison incroyable, cela ne surprend personne, tout le monde veut recruter De Ligt, ce jeune défenseur de 19 ans qui joue déjà comme un vétéran, il est déjà appelé en équipe internationale. À travers la Ligue des Champions, en affrontant de grandes équipes, donc de grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, il a montré ce qu'il avait dans le ventre. De Ligt est devenu LE défenseur incontournable en Europe. Tous les yeux sont rivés sur lui. Le club a l'air d'être très bien placé sur le dossier, avec Liverpool juste derrière. Parlons un peu du FC Barcelone. Imaginons qu'ils réussissent à recruter De Ligt. Comment feront-ils avec le fair play financier, sachant qu'ils veulent déjà recruter Griezmann et qu'ils possèdent déjà De Jong? Bon, en parlant du fair play financier, c'est le FC Barcelone. Donc je pense qu'ils réussiront à trouver une solution, à l'image du Real Madrid. Par exemple, si le PSG aurait été à la même position, à la même place que le FC Barcelone, je pense que les fair play financiers les auraient empêché cette transaction. Maintenant, ça reste à voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du fair play financier vis-à-vis du FC Barcelone. En tout cas, le Barça doit s'activer car juste derrière eux, il y a le Real Madrid, la Juventus, Liverpool, Manchester United sur ce jeune phénomène de l'Ajax. Si De Ligt rejoint le FC Barcelone, selon les dernières infos, il rejoindra le FC Barcelone en échange de 74 millions d'euros. Selon vous, s'il va au Barça, qui va-t-il remplacer? Umtiti ou Piqué? En tout cas, De Ligt finira dans un club autre que l'Ajax la saison prochaine, c'est sûr et certain. Maintenant, ça reste à voir lequel. Deuxième question, dites-moi si, à part le Barça, ou non, mettons, incluons directement le Barça, pour vous, la saison prochaine, De Ligt ira où? Malgré qu'il y ait de fortes chances qu'il rejoigne le FC Barcelone. C'était Parlons Football, laisse un like, abonne-toi, ciao.